Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de fabriquer ce cerf géométrique en bois. Alors ça c'est vraiment le genre de réalisation qu'on retrouve beaucoup sur internet ces temps-ci. En fait c'est des origamis 2D. Alors des origamis, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous montrer comment est-ce que j'ai fabriqué ce cerf. Mais si un jour vous voulez fabriquer un origami, eh bien, vous avez juste à taper origami 2D sur Google et vous verrez, il y aura plein d'autres exemples. Alors ce genre de réalisation, on pourrait par exemple les faire avec une CNC ou une découpeuse laser. Mais ça évidemment c'est des machines que moi je possède pas et du coup cette réalisation je l'ai fait simplement avec une ponceuse stationnaire. Alors c'est une réalisation qui va pas vous demander beaucoup de matériel. En matière première j'ai utilisé des tiges de bois carrées de 10 mm de côté et puis au final pour l'outillage il vous faudra juste si possible une ponceuse stationnaire. Alors si vous en avez pas, vous pouvez juste acheter une ponceuse à bande que vous fixez sur un établi. Cette réalisation, la difficulté ça va être de bien prendre son temps et d'être bien précis. Si on veut un beau résultat avec des assemblages qui sont bien réussis, 100 jours et tout ça, il faut quand même y passer pas mal de temps. Moi ce cerf je l'ai fait en plus ou moins 8 heures. Voilà, donc je vous propose de regarder comment j'ai fabriqué ça et je vous souhaite une bonne vidéo. Thank you.
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un réel plaisir de faire cette petite réalisation. Alors, si vous la faites de votre côté, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre réalisation, ça me fera très plaisir de les voir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, bricolez bien, c'était Gauthier. Salut !